Oh la vache. J'ai bien cru que j'allais y passer là. C'était vraiment horrible. Je sais pas ce que c'était que ces monstres là. Alors j'ai réussi à me réfugier. À me réfugier ici. Putain, j'espère qu'ils ont disparu. Ça a l'air. Qu'est-ce que c'était que ces trucs? Oh, je sais pas ce que c'était. Faut que je fasse très attention. Je vais vérifier qu'il n'y en ait pas d'autres. Est-ce que ce serait la source de mes problèmes? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit. Oh mon Dieu! Il y en a un autre. Ok, merde. Oh mon Dieu! Il y en a partout. Ça doit être une sorte de machine, enfin je sais pas. D'accord, très bien. Ok, bon, apparemment l'endroit a l'air clean maintenant. On va aller vérifier. Je sais pas qu'est-ce que c'était, je sais pas ce que c'était. C'est bien emmerdant en fait. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres par là. Aïe! Mais qu'est-ce que... Putain, j'avais entendu un rat, mais je savais pas. Je savais pas d'où ça venait. Ok, bon, apparemment l'endroit a l'air clean. Hop, on va vite fait vérifier ce qu'il y a là. Alors j'espère ne pas recroiser. D'accord. Ok, je... Ah! Des blocs d'émeraude. Yes. Il y en a un autre là. Je sais pas à quoi ça va nous servir. Je sais pas à quoi ça va servir. Alors oui, je pense que les monstres qui ont... Oh, du charbon. Quelle surprise. Et puis en plus, on en a... On en a beaucoup. Alors on va pas tout prendre. Parce que là c'est. Ça va être un peu exagéré. On va en laisser aux autres survivants s'il y en a. Quoique. Quoique. Tiens, toi, je te pose là. J'ai pas besoin de toi. Hop. La musique est assez chiante. Là on peut laisser des bâtons. Oh du bois, du bois, du bois, du bois. Du bois, je prends du bois, je prends du bois, je prends du bois. Du bois à gogo. Ça va pouvoir nous éviter d'aller. D'aller en chercher. En fin de compte, cette petite excursion là, elle aurait, malgré les monstres que j'ai croisés, elle est plutôt pas mal, hein. Ah ouais, j'ai bien fait. Enfin, d'un côté, j'ai bien fait. De l'autre, bon, je pense que niveau bois, de toute façon, on pourra retourner ici une nouvelle fois. Torche, du papier, des torches, autant prendre des torches hein, tant qu'on y est. Hop, voilà. Histoire de bien s'éclairer. Tac. Ça, le CD, on va prendre. Pourquoi pas en faire une collection, des torches. Qu'est-ce que c'est que c'est? Je peux laisser ça. Pas trop besoin. Une nouvelle pioche, ça pourrait être pas mal. Ça sert à rien. Ok. Bon. Bon, on aura fait le tour de cette fameuse
de cette fameuse galerie haut des échelles. Oh putain, mais je prends tout ça. Je suis gâté. Oh la vache. Bon, là. Ah d'accord, ok. Je voyais deux petits yeux dépasser là. Putain, j'ai encore envie de visiter là. Ouais. Est-ce que j'ai assez d'eau? Ouais, j'ai assez d'eau. Ok, parfait. Oula, pardon. Ok, on va aller visiter ici. J'ai trop envie de visiter ici, cet endroit magnifique, qui m'a l'air magnifique. En haut, ça doit être joli aussi. Non, faut que j'évite d'être trop gourmand. Je vais déjà aller déposer toutes mes affaires. Oh, et puis non, allez, on va dedans. On va dedans. Soyons fous. Alors, je ne prétends pas avoir l'âme d'un aventurier, mais avec ce que j'ai vécu la nuit passée, là. Qu'est-ce que c'est? Une sorte de restaurant. Et qui dit restaurant? Oh, on a deux coffres ici. Trois coffres, même, qui sont totalement vides. Ok, très bien. Non, ouais. Vaut mieux pas que je prenne le risque. La nuit est en train de tomber, on va vite fait voir ce qu'il y a dans ce coffre-là. Et on va se dépêcher de rentrer, d'accord. Alors, on va passer par là. Hop, la maison elle est par où? Ah, elle est par là, ok, très bien. La nuit est en train de tomber. Alors, on va se dépêcher de retourner à la maison. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Allez, dépêche-toi. Hein. Ok. La maison est à 130 mètres. C'est parfait. Ma caméra, apparemment, a des petits problèmes. Je vais essayer de régler ça. Je vais régler ça cette nuit. Ah, oh mais non, en fait, le soleil se couchait pas du tout. Non, c'est juste moi qui ai eu l'impression. Ah, oh oui, oh putain, ma caméra, ça va pas du tout là. Ça va pas du tout. Peut-être qu'en enlevant là, ça ira mieux. Ouais, en effet, ça va un peu mieux. Est-ce que je tente un autre bâtiment? En deux speed. En deux speed. En deux speed. Allez, on va tenter. On va tenter. On va tenter ce bâtiment. Non, ça a l'air moche. Qui es-tu, toi? Oh la vache, il était coriace celui-là. Hein. Bon, non, on va pas tenter. C'est quoi ça? Oh, des égouts. Ok. Mon Dieu. Mais quelle est cette mocheté? C'est complètement moche. C'est pas des égouts, ça, c'est moche. Je vois pas à quoi ça sert. Honnêtement. Tac. Ok, donc là je vais attendre la tombée de la nuit, bon sang, merde. Hop, on va rentrer. Et puis cette nuit là, on va faire un peu de rangement. Du moins ce qu'on a pris. Alors j'ai dit que je ferai pas de rangement, que je filmerai pas ma partie rangement, mais en fin de compte, si la nuit il n'y a rien à faire, autant ranger, en profiter pour ranger. Ça je jette, j'en ai pas besoin. Ça sera volé sûrement par un zombie demain matin. Du moins je l'espère. Alors, de la bouffe, de la bouffe. Parfait. Ok, on va pouvoir aller ranger nos affaires. Donc, les outils, je range. Armes et explosifs. Ah non. Dans un premier temps, on va ranger tout ce qu'on n'a plus besoin.
de porter sur nous et qui nous permet de partir en expédition en même temps. Donc voilà, ça, la lampe. Et c'est tout. Ouais, c'est tout. Ok, parfait. Hop. Le bois, putain, et on a vraiment la masse de bois là. Tout ce qui est en rapport avec du bois, donc torche aussi. Tac, bois, c'est ici. Peut-être qu'il va nous falloir d'autres coffres. Hop, hop, hop. Tac, 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 tac. Les ressources, c'est ici. Des émeraudes, très bien, très bien. Des explosifs, ça sera en haut. Les CD, les CD, les CD. C'est ici. Ok, les ressources, je crois qu'il y a du cuir qui appartient ici. Je vais. Des explosifs, ouais, comme ça. Tac. Des potions, ça peut être considéré comme de la bouffe. Des potions, que dis-je? Des boissons énergisantes. Énergisantes. Voilà, j'ai réussi à lire. Ah oui, on a encore tout ça, d'accord, très bien. Alors ça, je prends la flashlight, je peux la garder dans le sac, les outils. Je vais ranger la map. Ça, la map, j'avais complètement oublié. C'est très important. Hop, hop, voilà. Alors, oula, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? De l'or, des émeraudes et du diamant que vous pouvez mettre ici dorénavant. On va pouvoir se faire un petit stuff en diamant, j'ai l'impression. Ce qui est plutôt pas mal. Des boissons énergisantes ici. Hop, avec les bouteilles vides. La map, ça on peut les mettre avec. Voilà, avec les CD. Alors, la pierre et laine ici. La terre. Où est-ce que je mets la terre? Ça doit être dans pierre et laine. Non plus. Ah oui, où est-ce que je mets la terre? Bon, bah la terre, je vais mettre avec pierre et laine. De toute façon, je crois que c'était avec ça. Si je ne m'abuse. Hop, ça, on va ranger. Ressources. On va mettre ça. Et pour finir, dans les outils, on va ranger nos pelles. Et notre hache. Ok. Maintenant, on va reprendre le charbon. On est d'accord. Et on va aller les disperser dans la cuisine. Du moins, ce que j'appelle la cuisine. Alors, 32 ici, 32 là. 32 là. 32 là. Idem pour ici et idem pour ici. Voilà. 8, qu'est-ce qui se passe? Ok, il doit pleuvoir encore une fois. Tac. Et tac. Et ensuite, on va pouvoir ranger dans la chambre à armes les différents explosifs qu'on a récupérés au cours de cette expédition. Merde. Oh, qu'est-ce que je fais? Tac. Voilà. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Ça, ok, bon, bah c'est parfait, on a tout rangé. Je vais me déshabiller. Et me réhabiller pour me redéshabiller. Le sac à dos, le sac à dos. Ouais, ok, très bien. Tac. Bon. Le sac à dos, on va le mettre ici. Tac. Voilà. On va fermer les. Quoique non, on va les rouvrir directement. Hop, voilà, ça je laisse ouvert. On va prendre les bouteilles vides. On en a 59. 59 bouteilles vides qu'on va remplir tout de suite. Et l'eau coule de l'autre côté de mon truc, donc va falloir que je bouge ça. Ouh là là, que c'est long, que c'est long, que c'est long. 59 bouteilles, les amis. Hop, parfait. Alors, on va les disperser chacun dans des trucs comme ça, voilà, dans des fours. Hop, hop. Bon, là ça va être rapide, je pense. Qu'est-ce qu'on a à faire cuire? Du rat. Et c'est tout. Ouais, c'est tout ce qu'on a à faire cuire.
Ouais, c'est tout ce qu'on a à faire cuire du rat, c'est tout. Ça me paraît bizarre, il me semblait que j'avais un peu plus de rats. Bon, apparemment non. Hop, et on va pouvoir tout mettre ici. Et puis je vais aller dormir en espérant que la pluie cesse de s'abattre. Allez, à demain. Oui, à demain. Un petit café bien chaud dès le matin. Et c'est parti pour une nouvelle journée. Waouh, la pluie s'est arrêtée, ça fait du bien, ça fait du bien. Et on va sans plus tarder reboucher le gros trou qu'il y a avec de la stone brick. Hop, voilà. C'est bon. Ah, ça c'est prêt. Parfait. J'avais complètement oublié que j'avais mis de l'eau dedans. Hop. Alors, est-ce que c'est prêt l'eau là? Ici, ça a l'air prêt pour le rat. 10, 10, 10 aussi. Et 10 aussi. Waouh. Enfin de l'eau fraîche. Enfin chaude du coup, on va attendre que ça refroidisse un peu la bouffe dedans. Et on va... Bon, on va aller en expédition, hein. Pourquoi pas aller en expédition? Alors, je prévois d'aller en expédition pour un long petit moment. Cette fois-ci, donc on va prendre le maximum de réserves possible pour ce qui est de bouffe. Du pain, ça, de l'eau, on en a la masse du coup. Hop, 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 hop. On va prendre aussi deux parachutes, une map, la map là, arme explosive, ça, on s'en fout. Ça aussi, on prend les cordes, ça, le fouet, le feu, ça. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Il semblerait que ce soit un piège, une sorte de piège. Enfin bon, on verra. Non, ça, je... Oh là là, je sais pas. J'ai vraiment envie de partir assez loin. Alors le parachute... Oh putain. Alors là, ça va être pour les objets personnels. Donc voilà, les objets qui me serviront. Moi, je prendrai... un autre sac pour mettre les items récupérés. Récupération des items dans ce sac. Voilà, parfait. Oups, qu'ai-je fait? Oh. Bon, ok. On va dire que c'est bon. Alors, on va prendre ça. Pour ce qui est des objets personnels, histoire de se créer quelques petits trucs. Le fer, on va en prendre. On va se faire un stuff en diams, du coup, dans l'immédiat. Et puis, j'ai envie de partir dès que je serai prêt, en fait. Qu'il fasse nuit ou pas, j'ai envie de partir. Allez, on est fou. Dès que je suis prêt, je pars. Qu'il fasse nuit, qu'il vente, qu'il pleuve. Je m'en fous totalement. Tac. Le bois, on prend aussi, ça peut servir. On va s'équiper directement. Hop, hop, hop. Alors, je m'équipe, mais vraiment un maximum. Alors, pour l'eau, ça devrait être bon. Ouais, ok. Très bien. Pour ce qui est de l'eau, c'est bon. On en a assez, je pense. La bouffe aussi, on en a assez. Allez, on va se préparer, on va préparer les armes. Hop. Alors, ça, j'ai besoin de quelques munitions encore. Tu.
On va prendre ça. Ça pourra toujours servir. Ok. Et puis c'est tout. Je pense qu'on a ce qu'il nous faut. Ouais, non, j'ai envie de garder ça pour un moment. Pour un autre moment, on va prendre deux TNT. Hop, qu'on va mettre dedans. Alors ça, on va garder ça sous le coude. Ça aussi, on va mettre ça là. Hop. Le backpack, du coup, bah là, on n'en aura pas besoin pour le moment. La bouffe qu'on va mettre. Pareil. Ah oui, il nous faut des barrières aussi pour Hidalgo, puisque bien sûr Hidalgo va venir avec moi. On va pas le laisser tout seul, hein. On va pas prendre le risque de le laisser tout seul. Quelques coffres, bien sûr, quelques coffres, des torches. On va prendre ça. Hop, dans les objets personnels. Et voilà, je pense qu'on est bon. On va aller récupérer le stuff qu'il nous reste ici. Tac. Hop, les arbalètes, armes silencieuses. Hop, ça on va le mettre du coup là. Ah oui, non, j'avais déjà des munitions. Bon, tant pis, on va prendre ça. Hop, ça. Et la bouffe qu'on va mettre ici. Le parachute qu'on mettra ici. Et voilà, je pense qu'on est bon. Je crois que j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié. Bah j'ai rien oublié. Ouais, non, j'ai rien oublié. Si, les boissons. Oh. Bah, allez, je vais prendre une boisson énergisante. Tant qu'à faire, soyons fous. Ça, on va le faire chauffer en attendant. Le charbon, j'en ai pas pris, mais je sais pas si ce sera utile. Un lit, j'ai failli oublier. Ce qui pourrait être vraiment utile lors de machin. Hop. Et voilà, on est parti. Sans plus attendre, sans plus tarder. Si j'oublie quelque chose, eh ben, on ne reviendra pas. Tout simplement. Ouais, j'ai tout ce qu'il me faut. Allez, c'est parti. À bientôt, petite maison, tu vas me manquer. Adieu, ou à bientôt. Allez, c'est parti. On va visiter la ville. Les zombies qui commencent déjà à gueuler. Ok, bon. Allez, c'est parti. Oh merde, voilà, c'est ça que j'ai oublié. Des champs pour Hidalgo. Salut mon frère. Ouais, j'ai oublié des trucs pour Hidalgo là. Pour le nourrir, quoique je pense qu'il a déjà pas mal mangé. Hop, on ferme pas, ça sert absolument à rien. Et on va explorer le nord. On vient du nord, je crois, donc. Alors on a visité le sud. On a visité l'ouest. Pas visiter l'est, mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien dedans. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la map. On va... Très bien, Hidalgo, très bien. Je retiens, je retiens. Alors, la map qui. J'ai aucune idée de ce qu'elle fait. Alors, oui. Oh, une piscine. Oui, c'était bien quand même, hein. Ah ouais, non, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Apparemment, ça s'arrête ici. Alors, on va aller explorer le sud. Ben, c'est parti, on repart vers le sud. Et pour, je l'espère, une nouvelle aventure. Hop, on va sûrement repasser devant les champs, donc je pense que je prendrai un peu de bouffe. Putain, les arbres, ils m'énervent. Bon, ok, on laisse tomber. On va prendre un autre chemin. Quitte à nous faire perdre du temps. Par contre, Hidalgo, t'es un peu lent là. Est-ce que j'ai pris le fouet? Oui, j'ai pris le fouet. Merde. Hidalgo. Ya.
suis désolé, je vais pas te fouetter, mais là, c'est assez urgent. Mais non. Par contre, là, t'es encore plus lent que d'habitude. Allez. On dirait que c'est une voiture qui a genre 3-4 vitesses. Tu t'en fous de ça. Accélère, accélère, tu t'en fous. Ok, il a ralenti. Bon, tant pis. Oui. Allez, avance. Alors, la map qui a l'air de se dessiner. Oui, par là, on n'est pas allé visiter du coup. Peut-être qu'en fin de compte, par là, ça continue. Allez, on va prendre à gauche. Heureusement que je suis tombé sur cette petite map. Je pensais vraiment pas que j'allais tomber dessus. Et il fait déjà nuit, bon sang, mais ça passe trop vite, là, les journées, je les vois pas passer. C'est horrible. Ok, oui, la ferme. Hidalgo, je veux pas être méchant avec toi, mais là, tu ne m'en rends pas beaucoup service en n'arrêtant pas de beugler. Oh merde, 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 sol. Putain, y a aucun abri. La ferme, tu vas nous faire repérer, Hidalgo. Si tu veux te faire bouffer comme un cheval, continue. Bon allez, ah ouais non, merde, putain. Je tombe sur quoi là? Une jungle. Est-ce que ça continue à droite? Apparemment oui. On va continuer à droite, il y a plein de maisons abandonnées. Eh oh, il y a quelqu'un dans cette maison abandonnée? Ou suis-je seul au monde? Et on retourne vers notre... Il y a un petit pont là qu'on n'a pas vu la dernière fois, j'ai bien l'impression. À moins qu'on l'ait vu, mais que dans la panique, j'ai totalement oublié. Oh merde! Ok, Hidalgo, toi, t'es vraiment un imbécile heureux. Mais heureux. Waouh, une nouvelle petite ville! Ah ouais, ça a l'air vraiment pas mal en fait. C'est éclairé, donc il risque de pas y avoir tant de zombies que ça. Un petit chien. Oh, et en plus, il y aura un peu de trucs pour toi, Hidalgo. Bon, on va pas non plus s'éterniser ici. Le but étant de visiter, de trouver éventuellement de grandes ressources. Reste ici. Et évite de passer devant moi si tu veux pas que je te découpe. Ce serait con que tu finisses en steak de cheval, mon ami. Alors, il y a des monstres ici, mais ils ont l'air particulièrement gentils. Donc, je suis obligé de faire une parenthèse RP pour ça. Vraiment, je suis vraiment désolé pour ces petits bugs. Donc là, on a vu des PNJ et tout ça. Là, on voit des on voit des ces monstres là, et je ne sais pas comment expliquer. Donc voilà, je suis vraiment désolé pour ça. Alors faut savoir que la map, je l'ai pas forcément visitée en entière. Donc y a des endroits sûrement où on retrouvera d'autres creepers. Donc là, par exemple, j'avais essayé de re-régler encore les paramètres et pour la dernière vidéo là, le petit souci. En fin de compte, c'est en vidéo justement que j'ai découvert les spawners, donc j'ai essayé de trouver une petite excuse qui ne m'est pas venue à l'idée, donc j'ai évité le sujet tout simplement, voilà. On va reprendre le RP, donc ne vous étonnez pas si jamais vous tombez encore une nouvelle fois sur un truc complètement what the fuck. Cela est tout à fait normal. Bon, ok, c'est reparti pour le RP. Allez. Hop, hop. Hop. Aidez-moi là. Aidez-moi. Aïe. Qu'est-ce que t'as fait à mon cheval, toi? Qu'est-ce que t'as fait à mon cheval? Oh là
je suis en train de faire n'importe quoi. Waouh! Aïe! Mais dégage! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Il y a du diamant. Il y a du diamant un peu partout. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est bizarre. Je vais aller visiter. Ça a l'air éclairé, donc sécurisé. Ça se trouve, c'est parce qu'il y a quelqu'un. Donc on va rentrer par la porte, on va frapper. Ah, ok, d'accord, apparemment. Alors, Vars Résidence. Très bien, du diamant. Quoi qu'on en a déjà assez. De toute façon, on saura maintenant que cet endroit se trouve ici. Alors, on pourra revenir en cas de besoin. De l'or, ok, très bien. Bon, pas l'air d'avoir grand chose. Allez, Hidalgo, on est reparti. Ah non, ouais, ok. Je vais aller dormir, histoire de ramener le jour une nouvelle fois. On va casser la vitre. Je suis désolé si jamais il y a quelqu'un qui y habitait. Je vais aller dormir. Je pense qu'il n'y a plus personne. De toute façon, il m'aurait déjà entendu de loin. Ah, un lit, parfait. Allez, bonne nuit. Ah, ok. Une bonne petite nuit de passé. Hop, oula. Très bien. Hidalgo, j'espère que tu es toujours ici, que tu n'es pas parti. Ah non, ok, parfait. T'es toujours là. Allez, c'est parti, on est reparti, Hidalgo. Alors, je cherche juste un endroit par où sortir. Hop, hop là, hop. Tac, oui, désolé, c'est moi, c'est ma faute. Ok, donc là on est par là. Alors je pense pas que toute la ville soit répertoriée ici. Ah oui, il y a carrément des arbres qui sont tombés. Oh la vache. Ah ouais, c'est vraiment l'horreur. Ce qui s'est passé ici, c'est l'horreur. Total. Gauche ou droite? Alors, à gauche, on retourne vers la maison. À gauche. À droite, on retourne vers la maison. Et à gauche, on va vers une destination qui nous est inconnue. Hop. Allez, c'est parti, Hidalgo. Ouais, je pense que tout n'a pas été répertorié. Oh la vache. Comment on va faire pour traverser ça? Heureusement qu'on est de jour. Parce que de nuit, ça aurait été vraiment une galère pas possible. Je pense que là, Hidalgo, il serait resté. Il aurait laissé sa vie. Quoique, si je vois qu'il y a un moment où c'est trop chaud pour Hidalgo, je pense que je le prendrai en laisse et je courrai, il me suivra de toute façon. Alors... Bah là, apparemment, c'est bouché. Ouais, apparemment. Alors, attends. Tu m'attends ici, Hidalgo. Je suis curieux d'un petit truc. J'ai cru voir quelque chose par là. Oh la vache! Ah ouais, d'accord, carrément. Ok. Bon, apparemment, il n'y a pas grand-chose. De toute façon, on y retournera. Non, non, non. Tu ne fais rien. Ok, donc là, on va partir par là. Hop. De toute façon, on aura le temps de visiter carrément les autres bâtiments. Alors, j'ai entendu parler de cette ville. Hein, je vais pas vous le cacher. Cependant, il n'y a pas les différents... Enfin, les différentes choses que les personnes... Enfin... Il y a des bâtiments que je n'ai pas encore vus, dont j'avais entendu parler à travers plusieurs témoignages de cette ville, avant l'apocalypse bien sûr. Donc par exemple des bâtiments, des gros bâtiments. On va passer par là, je pense que je vais retomber une nouvelle fois sur la base militaire, mais whatever. Hop. De toute façon, on est là pour
se balader, enfin non, pour plutôt survivre. Je pense que là, je vais atteindre un endroit que la map ne connaît pas, enfin que la map n'afficherait pas. Ah oui, d'accord, ok, c'est complètement bloqué. La végétation a pris le dessus. Waouh! Comment est-ce qu'on va faire? Hidalgo. En fin de compte, j'aurais peut-être pas dû te prendre dans mon aventure. Oh putain, non, je sais vraiment pas quoi faire. Aïe. Bon, ce que je vais faire, Hidalgo, je suis vraiment désolé, tu vas pas pouvoir faire partie de cette aventure. Oui, je sais, t'es en colère. Et moi, je suis dégoûté. Tiens. Pour me faire pardonner, en plus j'entends des tas de zombies. Pour me faire pardonner, prends ça, mange, mange. Faut que je me grouille à perdre. Heureusement qu'Hidalgo était pas devant. Ouais. Je vais te faire un petit enclos ici, tu resteras ici bien sagement. Tu m'attendras, et puis ensuite on repartira vers de nouveaux horizons, c'est-à-dire à la maison. Hop, hop. Hep, hep, hep. Mais qu'est-ce que tu fais? Non, non, descends. Non. Ma vénère. Bon, peut-être que en allant par ici, oui. Ah, voilà, parfait. Bon, c'était un peu bizarre la façon dont tu es arrivé, mais voilà. Alors, on va te mettre ici, Dalgo. T'en fais pas pour moi. Si jamais je ne reviens pas lorsque la lune se couchera. Je t'autorise à partir loin. Allez, c'est parti. Hop. Hop là. Soyons fous, soyons dangereux. Ah ouais, la nature a complètement repris le dessus. Je sais vraiment pas à quoi m'attendre là. J'ai même l'impression pour vous dire que cette ville a été carrément abandonnée. Avant l'apocalypse. Je dis sûrement des conneries, mais... Pas grand-chose d'intéressant, toujours le même blabla. Non, ça c'est intéressant. Voilà. Ah ouais. Pff, comment je vais faire pour retrouver mon chemin là, par là, dans cette végétation immense. Oh, qu'est-ce que je fais là? Bon, mesdames et messieurs, ceci est tout simplement de l'exploration urbaine. Bienvenue dans l'urbex. Je trouve pour une urbex. Ouais, non, ok. Je vais éviter de... Oh, ça m'énerve ça. Ça m'énerve ce truc-là. Je suis déjà perdu. Je viens à peine d'arriver et je suis déjà perdu. Ah, ok, donc on est arrivé de par là, l'autoroute doit être par là avec Hidalgo. Très bien, on va continuer. Hop. Et où? Trou du fion. Ben. Oh, wow. Alors, il y a eu un jeu qui s'appelait Uncharted. Avant l'apocalypse, bon, je pense qu'il est toujours disponible si l'électricité marche partout. Et vraiment, tout ceci me fait réellement penser un peu à l'ambiance d'Uncharted. Ça se trouve, les créateurs de cette ville ont voulu envoyer un petit clin d'œil à cette ville. Oh, un coffre.
Un nouveau CD pour ma connexion, d'accord, pour ma collection. Pas mal, pas mal. Alors, est-ce que j'ai ramené des échelles? Non, j'ai absolument rien ramené. Voilà, tout ce dont j'avais besoin, enfoui dans le fin fond de l'âme perdue. Alors, je vais essayer de monter tout en haut, histoire d'avoir un point de vue qui pourrait. Eh ben, heureusement que j'ai des réflexes de ninja. Sans ça, je serais sûrement décédé. Oh! Ok, on va faire gaffe maintenant. Hein. Hop, hop. Hop. Le soleil qui se couche déjà. Hop. Putain, j'ai failli retomber encore une fois. Va falloir que je fasse gaffe là. Mais genre vraiment. Hop. Bon, ce qu'on va faire, on va faire un truc simple. On va la faire à l'ancienne. Ce serait déjà plus facile, plus simple. Allez, allez, allez. Oh, j'ai même pas pris la peine de fouiller. Tellement que j'étais omnibulé par le fait d'atteindre le toit, que j'en ai complètement oublié de fouiller les bâtiments. Mais de toute façon, avoir l'état des bâtiments, je ne pense pas que qu'il soit nécessaire de. Par contre, il est nécessaire que j'apprenne à monter des échelles, parce que là, c'est vraiment absolument hyperiment galère. La nuit la nuit qui tombe réellement. De nuit qui tombe. J'ai eu un petit frisson là, un petit frisson au cœur. Allez, allez, allez John, allez John, allez. Ah bah d'accord. Ok, donc tout ça pour rien, on arrive sur un petit toit qui sert à rien. Déçu. Déçu de cette petite mésaventure. Bon, quoi qu'il en soit, là pour l'instant, pour le moment, on est plutôt bien pour ce qui est. Pour ce qui est de la sécurité. C'est pas très très bien français ce que j'ai dit. Alors, ça c'est. Ah non, ok. Ça doit venir de moi. Hidalgo est toujours parmi nous. J'ai cru qu'il s'était enfui, qu'il avait compris le mauvais truc. Et oh!